Bonjour à toutes et tous, c'est donc reparti pour une seconde vidéo sur le sujet de la fibrillation atriale, l'objectif étant de vous expliquer les caractéristiques de la symptomatologie, les formes cliniques, les facteurs de risque et les facteurs déclenchants. On passera bien évidemment un peu de temps sur l'électro et notamment sur quelques pièges. Enfin, on terminera par détailler le bilan de première intention devant un épisode de fibrillation atriale. Je suppose enfin que toutes les notions que nous avons acquises lors de la première partie, notamment physiopathologique, sont connues. Alors ce que nous verrons ensemble aujourd'hui, ce sont les trois premiers points, celui des causes, donc facteurs de risque et facteurs déclenchants, la classification 4P et la symptomatologie. Le quatrième point sur le score Shadow DS de VASC, nous verrons ça dans la partie 3 relative au traitement. Alors nous allons donc commencer par aborder les facteurs de risque et les facteurs déclenchants de fibrillation atriale. Alors ça peut paraître un petit peu perturbant ces deux notions séparées, mais je vais vous expliquer les concepts, les causes, et vous allez voir que avec quelques illustrations, tout ça va bien se passer. Alors, un facteur de risque de fibrillation atriale, c'est une condition qui va contribuer à abîmer l'oreillette et donc à développer le remodelage atrial que nous avons vu dans la première partie. C'est donc une pathologie qui est chronique et qui va créer des lésions irréversibles à l'oreillette. Pour autant, c'est important d'essayer de traiter ces affections dans la mesure du possible, pour éviter d'aggraver les dégâts sur l'oreillette. Le trigger, ensuite, comme on l'a dit en partie 1, c'est une situation d'hyperexcitabilité, classiquement les foyers ectopiques au niveau des veines pulmonaires. Le facteur déclenchant, enfin, c'est une situation qui va favoriser la fibrillation atriale, et c'est le plus souvent quelque chose qui est aigu ou subaigu et qui peut être la plupart du temps réversible. C'est quelque chose qui n'induit pas de fibrose dans l'oreillette, mais qui va modifier l'électrophysiologie cellulaire et qui va expliquer à ce moment donné, la FA survienne. Ce sont donc les facteurs déclenchants, des causes à rechercher devant un passage en fibrillation atriale, car le retour en rythme sinusal va le plus souvent nécessiter de traiter ce facteur déclenchant. Alors parmi les facteurs de risque de fibrillation atriale, il y en a un qui est vraiment absolument fondamental, c'est l'hypertension artérielle, notamment par augmentation de la pression dans l'oreillette. Viennent ensuite les cardiopathies et l'insuffisance cardiaque. Alors, en règle générale, là aussi, de par l'augmentation de la pression dans les oreillettes, ce qui va avoir tendance à les abîmer et à faire se développer progressivement un remodelage atrial. Vous retrouverez parfois que les facteurs de risque cardiovasculaire donnent de l'AFA. Alors en fait, ils sont surtout pourvoyeurs de ces mêmes cardiopathies et de ces situations d'insuffisance cardiaque, notamment d'origine ischémique, ce qui va à terme secondairement donner de la fibrillation atriale. Parmi les cardiopathies, une population particulièrement importante, ce sont les valvulopathies mitrales, que ce soit les insuffisances mitrales ou les rétrécissements mitraux, puisque la valve mitrale est directement en aval de l'oreillette gauche, et évidemment, s'il existe une fuite valvulaire ou un rétrécissement mitral, eh bien ça va contribuer à dilater l'oreillette, à augmenter la pression à l'intérieur et donc à favoriser, là encore, le remodelage. Dernière grande famille, on va dire, de facteurs de risque de fibrillation atriale, ce sont les pathologies pulmonaires, là encore, hein, puisque la circulation pulmonaire se situe en aval du ventricule droit et en amont de l'oreillette gauche, avec une étiologie particulière tout de même, le syndrome d'apnée du sommeil, qui là aussi est un grand classique à connaître. C'est un gros pourvoyeur de fibrillation atriale, notamment car l'apnée va donner de l'hypoxie et va moduler le système nerveux autonome, ce qui va directement impacter sur la genèse de la fibrillation atriale. Concernant les facteurs déclenchants, qui sont donc aigus ou subaigus et le plus souvent réversibles, citons les troubles hydroélectrolytiques et métaboliques, notamment l'hypokaliémie et l'hyperthyroïdie. Ces situations vont modifier notamment les propriétés électrophysiologiques des cellules et favoriser la fibrillation atriale. Il faut donc que vous ayez le réflexe, devant un passage en FA, de vérifier et la kaliémie et la fonction thyroïdienne. C'est tout à fait important puisque par ailleurs, ces pathologies peuvent avoir des conséquences mortelles. Je rappelle l'existence de possibles troubles du rythme ventriculaire en cas d'hypokaliémie et l'insuffisance cardiaque réfractaire ou également des troubles du rythme ventriculaire réfractaire en cas d'hyperthyroïdie. Enfin, ayez en tête que potentiellement les dysthyroïdies peuvent être favorisées par certains traitements antiarythmiques, et notamment par l'amiodarone. Deuxième grand type de facteur déclenchant, ce sont les inflammations, qu'elles soient systémiques ou non, notamment les cas de péricardite ou de pneumopathie, mais également la chirurgie cardiaque, hein, où en post-opératoire, il va y avoir une irritation
du cœur et qui peut tout à fait être à l'origine de fibrillation atriale. Ensuite, on a vu dans la première partie toujours que la modulation du système nerveux autonome peut également avoir un rôle dans la fibrillation atriale. C'est effectivement le cas des situations vagales ou au contraire à l'effort où la modulation du SNA va pouvoir là aussi permettre les propriétés de modifier pardon, les propriétés électrophysiologiques des cellules myocardiques et contribuer à la fibrillation atriale. Point suivant, ce sont les toxiques, que ce soit de la iatrogénie, de part de la prise de certains médicaments ou non, ou d'autres toxiques comme l'intoxication alcoolique aiguë. Dernier point, ce sont, alors je les ai regroupés sous un terme assez impropre, d'où les guillemets d'agression du myocarde, mais voilà, sachez qu'en cas d'instabilité hémodynamique, notamment due à un syndrome coronarien aigu ou à une insuffisance cardiaque par exemple, eh bien, la fibrillation atriale, c'est une réponse non spécifique quand le cœur n'est pas en capacité de fonctionner correctement. Et là encore, on peut tout à fait, dans les situations de SCA ou d'insuffisance cardiaque, avoir une fibrillation atriale. Je vous propose que l'on prenne trois exemples de patients pour vous permettre de voir comment leur profil va pouvoir interférer sur leur prise en charge. Le premier a 70 ans, il a une HTA ancienne, connue pour déjà avoir une oreillette gauche dilatée en échocardiographie. Il est passé en fibrillation atriale dans les suites d'une pneumopathie infectieuse. Pour espérer réduire la FA, il va falloir s'attaquer à ce que l'on suppose être le facteur déclenchant, donc ici la pneumopathie, le traitement de l'infection avec la mise en route de l'antibiothérapie va potentiellement pouvoir permettre d'aider à l'interruption de la FA. Attention toutefois, chez ce patient, il existe aussi un remodelage atrial marqué par cette vieille cardiopathie hypertensive et cette oreillette gauche dilatée, ce qui veut dire que quand bien même vous allez pouvoir être efficace en traitant le facteur déclenchant, il est probable que la FA revienne assez facilement, ce qui va falloir prendre en considération, notamment en essayant d'équilibrer mieux son hypertension artérielle. Le deuxième patient a 20 ans, il a présenté des palpitations après une soirée très arrosée, donc cette fois-ci c'est l'alcool en grande quantité et rapidement qui a déclenché la fibrillation atriale. Il n'a pas de cardiopathie sous-jacente, son oreillette est donc saine. Eh bien, ce patient, il est très probable que le rythme sinusal, finalement, revienne de lui-même dans quelques minutes ou quelques heures avec la diminution de l'alcoolémie et parce que, bah, toujours, il n'a pas de substrat dans l'oreillette. Donc, chez ce type de patient, eh bien, ça n'aurait pas beaucoup de sens de mettre en place un traitement antiarythmique pour prévenir d'une récidive parce que cela l'exposerait à un potentiel risque iatrogène pour un bénéfice qui serait quasiment nul. On verra tout ça plus en détail, encore une fois, dans la troisième partie liée au traitement. Et je vous mets un troisième patient, un dernier patient avec une valve mécanique mitrale depuis 25 ans. Alors ce patient, il est en fibrillation atriale sans qu'on ait rien retrouvé de particulier comme facteur déclenchant évident. Il n'y a pas d'infection, la kaliémie normale, TSH normale, pas de toxique ou d'iatrogénie particulière. Eh bien, chez ce type de patient, la probabilité même de revenir en rythme sinusal est finalement assez faible parce qu'il a une pathologie valvulaire sous-jacente avec une pathologie valvulaire mécanique mitrale ancienne. Son oreillette est probablement très sévèrement remodelée et les chances de maintien en rythme sinusal de ce patient au long cours, quelles que soient les propositions thérapeutiques que l'on peut faire, sont finalement assez faibles. Vous voyez donc que le substrat et le facteur déclenchant sont importants puisqu'ils vont permettre de mieux comprendre les raisons de la fibrillation atriale et la façon dont on va s'y prendre pour pouvoir la traiter. Là encore, ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons sur la partie 3. On va parler ensuite d'un terme que vous verrez souvent, celui de fibrillation atriale valvulaire ou non valvulaire. Alors, je vais rapidement dire que si le terme est encore très souvent utilisé, notamment dans la fiche LISA, vous verrez que pour certains, notamment pour la Société européenne de cardiologie, eh bien ce terme est ambigu et devrait être abandonné. Alors, on comprend très bien que ce terme soit ambigu, puisque quand on dit FA non valvulaire, il y a tout de même des situations où il existe une valvulopathie. En effet, ce terme de valvulaire veut dire valve mécanique, quelle que soit sa position, aortique ou mitrale, ou rétrécissement mitral modéré à sévère. Alors, c'est vrai que le rétrécissement mitral, c'est quelque chose qui est plutôt rare en France, mais que vous pourrez retrouver plus fréquemment ailleurs dans le monde. Tout le reste, en dehors de ces situations-là, c'est considéré comme étant des FA non valvulaires,
Et pourtant, là-dedans, il y a des choses qui sont authentiquement valvulaires, comme une valve bioprothétique, un TAVI. Donc avouez que le terme de valvulaire ou non valvulaire est plutôt mauvais. Faites donc attention quand vous le voyez ou vous l'utiliserez. Alors, sans complètement spoiler le traitement, sachez que savoir si nous sommes dans un cas de figure ou dans l'autre, c'est important, car cela va impacter sur le traitement anticoagulant. Dans le cas de gauche, eh bien, ces situations vont faire que le patient sera anticoagulé de toute façon par un AVK, alors que dans ces autres situations de FA, encore une fois injustement appelées non valvulaires, eh bien, il va falloir passer par une étape intermédiaire qui est l'évaluation du risque thromboembolique pour décider si on ne met pas de traitement anticoagulant ou si on anticoagule, et si oui, par anticoagulant oral direct ou par AVK. Alors, avant de parler de la clinique à proprement parler, il faut d'abord introduire la classification 4P qui elle aussi est fondamentale. Comme nous l'avons vu en partie 1, la FA est une pathologie qui va s'auto-entretenir. En effet, la FA va aggraver le remodelage atrial et ce remodelage atrial va lui-même favoriser la fibrillation atriale. La classification 4P permet de savoir où en est le patient dans l'évolution de sa fibrillation atriale, si des thérapies ont été mises en place pour tenter de revenir en rythme sinusal ou non, et s'il existe un espoir de revenir en rythme sinusal ou non. Alors, ces 4 P représentent l'évolution chronologique de la maladie, avec le premier P pour premier accès de FA documenté. Il s'agit du tout premier épisode de FA, quand cette dernière était alors jusqu'ici inconnue et qui vient d'être découverte. On a ensuite la FA qui est dite paroxystique. Donc, dans cette situation, le retour en rythme sinusal se fait en moins de 7 jours et est spontané, c'est-à-dire sans cardioversion, qu'elle soit pharmacologique ou électrique. Lorsque la FA est paroxystique, les dégâts sur le tissu atrial sont encore suffisamment modérés pour faire en sorte que la FA puisse spontanément se réduire sans aucune intervention médicale. L'étape suivante, c'est la FA persistante. Alors là, ça témoigne d'une FA qui va être plus ancrée dans l'oreillette, d'une évolution de la maladie. Et il s'agit soit d'une FA qui dure depuis plus de 7 jours, premier cas de figure, ou alors c'est une FA qui, pour revenir en rythme sinusal, a nécessité une intervention médicale, qui peut être soit une cardioversion médicamenteuse, soit une cardioversion électrique, par exemple. Le quatrième P, c'est pour permanente, puisque cette fibrillation atriale va potentiellement évoluer jusqu'à une situation où il n'est plus envisagé de la réduire. Donc le terme de FA permanente, attention, il fait plus appel à une attitude du praticien qu'à un rationnel physiopathologique particulier. Souvent tout de même, hein, le fait que la FA soit dite permanente, c'est souvent plutôt parce que il n'existe plus vraiment de possibilité de revenir en rythme sinusal. Donc sachez enfin qu'il n'y a pas de durée standard pour ces phases, hein. Un patient peut rester des années en fibrillation atriale paroxystique, alors que d'autres vont être découverts d'entrée de jeu en FA persistante. En revanche, il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est-à-dire qu'un patient qui a été réduit par un choc électrique ne pourra plus jamais être considéré comme ayant une FA paroxystique. Pour rendre cela un petit peu plus concret, je vous propose de prendre un exemple, comme souvent, donc avec un patient chez qui les accès de fibrillation atriale vont être visibles par ces bandes bleues-là sur le bas de l'écran. Et puis évidemment, comme d'habitude, en abscisse, on a le temps. Donc le premier épisode de FA documenté, alors pour notre patient, hein, il est ici, et c'est donc le moment où la FA est enregistrée pour la première fois chez lui par un ECG. Alors vous voyez que ce patient a déjà fait des accès de fibrillation atriale, donc soit ce sont des accès qui n'étaient pas symptomatiques, soit ce sont des accès qui n'ont pas fait l'objet d'une documentation, et donc eh bien, la FA n'était pas connue à ce stade-là. Cette FA va spontanément se réduire et va être suivie de plusieurs épisodes comme ça qui vont durer de quelques heures à quelques jours, mais moins de 7 jours, et qui vont se réduire spontanément en rythme sinusal sans qu'aucune prise en charge particulière ne soit faite. Ce patient a désormais ce qu'on appelle une fibrillation atriale paroxystique. Et puis, dans le suivi, à un moment, on va documenter un épisode où cette FA, eh bien, va durer plus longtemps. Et cet épisode que vous voyez là va faire plus de 7 jours. À ce moment-là, on change de terme et on dit que la FA est devenue persistante.
Cette FA persistante va pouvoir potentiellement être réduite par des procédures de cardioversion, notamment ici par une procédure de cardioversion électrique externe. Malheureusement, cette FA va récidiver malgré le choc électrique et la décision va ensuite être prise par le praticien de respecter cette fibrillation atriale. On dit désormais que la fibrillation est considérée comme permanente, c'est-à-dire qu'il n'est pas envisagé, par exemple, de nouveaux chocs électriques, d'ablation ou de traitement antiarythmique dans l'espoir de revenir en rythme sinusal. Cette classification est fondamentale car la classification 4P permet de guider la prise en charge. On en parlera dans les slides à venir, mais attention, il faut savoir que si ça impacte sur la prise en charge, cela n'influe pas sur le traitement anticoagulant. On considère en effet que le fait que la fibrillation atriale soit paroxystique, persistante ou permanente ne doit pas rentrer en ligne de compte pour décider de mettre ou non en place un traitement anticoagulant. Attaquons maintenant la symptomatologie des patients en FA. Une partie d'entre eux va être complètement asymptomatique, expliquant l'intérêt du dépistage par la prise de pouls, notamment chez les patients à risque. Ce qui explique aussi que le premier accès documenté de FA n'est souvent pas le premier accès. L'autre raison étant que cet accès inaugural était symptomatique, mais évidemment n'était pas documenté. Ensuite, il peut y avoir des palpitations, avec cette sensation de cœur irrégulier, de raté, qui va être relativement prolongée et durer de quelques minutes à plusieurs jours, par opposition à des extrasystoles qui, elles, sont très ponctuelles. Enfin, il va y avoir les symptômes qui vont être en rapport avec les complications de la FA, en rapport avec notamment les deux mécanismes physiopathologiques principaux que nous avons déjà vus, l'altération des conditions hémodynamiques et la stase sanguine. Alors, commençons par la stase sanguine qui peut donc aboutir à la formation d'un thrombus puis d'un AVC. Dans ce cas, la fibrillation atriale sera indirectement découverte par les signes fonctionnels rencontrés dans l'AVC. D'un autre côté, l'altération des conditions hémodynamiques peut donner un tableau d'insuffisance cardiaque et donc les signes fonctionnels d'insuffisance cardiaque comme de la dyspnée ou de l'asthénie. Alors évidemment, cette symptomatologie peut être plus ou moins marquée et aller jusqu'au choc cardiogénique, notamment chez les patients qui ont déjà de base une hémodynamique fragilisée par une insuffisance cardiaque sous-jacente. Deuxième tableau possible en rapport avec l'altération des conditions hémodynamiques, celle de l'insuffisance coronaire. Chez un patient qui a déjà de base des lésions coronaires, eh bien le passage en fibrillation atriale peut l'aggraver de plusieurs façons, par une plus grande consommation en oxygène, par une augmentation de la fréquence cardiaque souvent associée, et donc finalement par une possible altération de la perfusion coronaire. Il peut donc y avoir tous les tableaux possibles dans ce contexte d'insuffisance coronaire, allant de la douleur thoracique jusqu'au syndrome coronarien aigu. Pensez donc, encore une fois, devant un syndrome coronarien aigu, à rechercher s'il existe une fibrillation atriale qui serait considérée comme le facteur déclenchant. Troisième tableau clinique, celui de syncope, alors plus rare. En effet, en soi, une fibrillation atriale ne fait pas syncopée, sauf dans trois circonstances particulières, que sont donc la maladie rythmique auriculaire, les patients qui ont une altération sévère de la fraction d'éjection ventriculaire gauche et l'existence d'une voie accessoire. Je vous propose qu'on détaille brièvement ces trois étiologies particulières avant de continuer. Tout d'abord, la maladie rythmique auriculaire. Elle associe un bloc sino-atrial ou dysfonction sinusale et une hyperexcitabilité supraventriculaire comme de la fibrillation atriale. La dysfonction sinusale fait qu'il va y avoir des pauses et ces pauses tendent à être prolongées après un retour en rythme sinusal. Dès lors que le trouble du rythme supraventriculaire s'interrompt, eh bien la pause derrière, qu'on appelle une pause post-réductionnelle, peut être relativement longue. Et après l'arrêt de la fibrillation atriale, chez quelqu'un qui a donc une maladie rythmique auriculaire, eh bien, il va falloir beaucoup de temps au nœud sinusal pour pouvoir récupérer sa capacité à se dépolariser régulièrement, ce qui peut mettre plusieurs secondes et conduire à une syncope. Deuxième cas de figure, celui d'un patient qui aurait une fonction cardiaque très altérée de base. Imaginons donc que notre patient ait 25% de fraction d'éjection lorsqu'il est sinusal 75 par minute. Eh bien, dans ces conditions-là, son débit est à peu près correct, mais s'il vient à passer en fibrillation atriale rapidement conduite au ventricule, par exemple à 180 par minute, eh bien, potentiellement, il peut se retrouver avec un débit effondré et syncopé. Troisième cas de figure, celui de l'existence d'une voie accessoire qui conduit de façon entérograde entre les oreillettes et les ventricules, avec une bonne perméabilité. Alors, on a vu que le nœud AV est la seule structure qui permet de faire passer l'influx entre les oreillettes et les ventricules.
à aucun autre endroit, normalement, c'est censé passer dans des conditions physiologiques. Or, s'il existe une voie accessoire, je peux schématiser par exemple ici, s'il existe une voie accessoire, alors la fibrillation atriale dans l'oreillette va pouvoir potentiellement être conduite très rapidement au ventricule par cette voie accessoire, ce qui fait que la fonction filtre du nœud AV ne va pas pouvoir s'exercer correctement. Et ce qui explique que dans ces aspects de supervolve comme vous avez ici, vous ayez une fréquence cardiaque qui puisse largement dépasser 220 mmHg. Encore une fois, c'est dû au fait que la fonction filtre du NAV est shuntée et la FA au niveau de l'oreillette va passer très rapidement par cette voie accessoire et être responsable d'un trouble du rythme ventriculaire comme ici. Nous allons désormais aborder l'électrocardiogramme. En fibrillation atriale, l'activité est irrégulière et anarchique au niveau des oreillettes, ce qui se traduit par l'absence d'onde P. Les QRS sont par ailleurs le plus souvent fins et irréguliers. Alors, en rythme sinusal, nous allons avoir une dépolarisation synchrone des oreillettes, ce qui va être responsable de cette onde P sur l'électrocardiogramme. Dépolarisation synchrone qui va être responsable d'une contraction synchrone des oreillettes, qui elle-même va permettre une efficacité mécanique des oreillettes. Le fait qu'il n'y ait pas d'activité électrique organisée dans l'oreillette fait qu'à n'importe quel moment, il y a toujours des bribes de courant qui circulent dans l'oreillette. Et cette anarchie électrique dans l'oreillette va se traduire sur l'électrocardiogramme par cette trémulation, elle aussi complètement anarchique. En ce qui concerne l'irrégularité de QRS, je ne referai pas l'explication faite en partie 1. En revanche, je vais vous expliquer pourquoi les QRS sont fins. Ce qui fait la largeur des QRS, c'est le temps que prend la conduction dans le faisceau de His et ses branches. Ici, par exemple, vous avez, alors certes en rythme sinusal et avec des branches du faisceau de His qui fonctionnent bien, eh bien, un front de dépolarisation qui va rapidement pouvoir se propager dans le ventricule. L'ensemble des parois myocardiques va être dépolarisé de manière relativement synchrone. Les QRS vont être finalement relativement fins. Si on passe en fibrillation atriale, on va bien sûr avoir cette activité anarchique dans l'oreillette, comme on vient de le voir, mais dès lors que le front de dépolarisation a pénétré le nœud atrioventriculaire, eh bien finalement la suite de la séquence avec la propagation le long des branches du faisceau de His est inchangée. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que les QRS soient morphologiquement différents de ce que nous avions en rythme sinusal, aussi bien dans leur morphologie que dans leur durée, ce qui fait que les QRS en fibrillation atriale sont donc fins. Donc voici un exemple d'électrocardiogramme en fibrillation atriale. La fréquence cardiaque est tachycarde. On est d'accord que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 fois 6, 132, donc une tachycardie qui est irrégulière, hein, nettement. On a ici des intervalles qui sont un peu plus rapprochés que ceux-là qui sont plus allongés. Et à QRS fin, donc c'est sûr que tachycardie irrégulière QRS fin, hein, c'est la description relativement classique. Et ce qu'on voit dans l'oreillette, eh bien, c'est qu'on n'a pas d'onde P à proprement parler, et puis cet aspect comme ça irrégulier, qui ici est un petit peu plus marqué avec des vaguelettes, mais finalement on voit que bah, sur le dé de long notamment, hein, ici c'est l'activité atriale, elle est un peu sous forme de vaguelette, mais par moment pas du tout. Donc on a vraiment cette variabilité de l'activité atriale qui est assez caractéristique de la fibrillation atriale. Alors je vous montre un deuxième électro en fibrillation atriale. Alors il n'est pas d'aussi bonne qualité que le premier, c'est vrai, mais on voit quand même qu'on est face à une tachycardie irrégulière avec des QRS fins. Et en ce qui concerne les ondes P, alors si je zoome, hein, clairement il n'y a pas d'activité organisée sur l'oreillette qui pourrait faire penser à des ondes P. On est donc bien dans un tableau de fibrillation atriale et l'étiologie de cette fibrillation atriale. On la retrouve, pense la deviner assez facilement, avec ce sus-décalage du segment ST dans le territoire inférieur, donc un syndrome coronarien aigu. On retrouve le miroir ici, dans les dérivations, pardon, antéro-apicales, et puis un miroir aussi latéral ici, avec ce sous-décalage significatif. Alors cette slide aussi, c'est pour vous dire bah, la régularité. Alors oui, c'est vrai que c'est moins flagrant que tout à l'heure, cette histoire d'irrégularité. Mais voilà, ayez en tête que plus une arythmie va vite, déjà plus elle est potentiellement difficile à voir, puisque comme ici, bah, vu que ça va très vite, vous avez beaucoup de QRS, beaucoup de segments ST, et donc du coup c'est difficile de chercher des petits endroits où il y a de l'oreillette. Hein. C'est sûr que quand c'est plus lent,
Comme ça, bah, c'est beaucoup plus facile. Et puis aussi, le fait qu'une FA soit rapide, et bien plus c'est rapide, plus à l'œil comme ça on a l'impression que ça se régularise et que c'est régulier. Donc si vous avez le doute, et bien vous mesurez, hein, avec une réglette ou la méthode des petits papiers. Mais voilà, sachez que plus ça va vite, plus ça tend à se régulariser. Un autre cas de figure dont je voulais vous parler, c'est celui de ces fibrillations atriales lentes, très lentes et régulières. Alors ici, on a bien une bradycardie régulière, des QRS fins, cette activité dans l'oreillette, alors qui peut paraître un petit peu organisée, mais qui reste tout de même un trouble du rythme supraventriculaire. Et cette FA, elle est régulière, très régulière, puisque quand je mesure, eh bien, j'ai tous mes QRS qui surviennent à peu près 1500 millisecondes les uns des autres, donc une fréquence cardiaque effectivement aux alentours de 40 par minute. Eh bien, cet électro, il faut l'avoir en tête, puisque une fibrillation atriale comme ça, qui d'un seul coup devient rapide et qui devient lente, pardon, et parfaitement régulière, eh bien, c'est ce qu'on appelle un trouble conductif de haut grade, hein, donc un BAV3, sur fond de FA. Donc, il faut avoir ça en tête, puisque souvent, le BAV3, on a l'idée des ondes P dissociées des QRS. Alors, le problème, c'est que ça peut aussi, le BAV3, enfin, le trouble conductif atrio-ventriculaire de haut grade, peut aussi tout à fait survenir chez quelqu'un qui fait de la fibrillation atriale. Rappelez-vous que nous avons les oreillettes et les ventricules qui sont isolés les uns des autres, hein, comme je le dis souvent, avec hop, ça passe ici au niveau du nœud atrio-ventriculaire, et qu'en temps normal, c'est le nœud sinusal qui impose sa loi, qui dépolarise les oreillettes, puis ça se propage au niveau des ventricules. Très bien. Dans le BAV3, vous avez la dissociation, puisque eh bien, le nœud AV bloque, et donc eh bien, les oreillettes font leur vie, et puis les ventricules font la leur. Mais on peut très bien imaginer se retrouver en fibrillation atriale. Donc à ce moment-là, eh bien, l'oreillette est en FA, donc il n'y a plus d'activité organisée, et puis on est sur quelque chose qui est en arythmie. Et on va avoir un échappement qui va se faire. Alors soit un échappement nodal plutôt fin à 40-45, soit un échappement ventriculaire plus large à 30 par minute. Mais les caractéristiques de cet échappement, eh bien, c'est avant tout une caractéristique de régularité. Et c'est ce qu'on a ici, hein, comme dans tout BAV3, eh bien, l'échappement, il est régulier. Et c'est exactement ce qu'on a ici, hein. Donc on a cette activité supraventriculaire qui fait sa vie, et puis les ventricules qui sont dissociés de l'autre côté. Ayez en tête qu'une fibrillation atriale qui est très lente et très régulière, c'est possiblement un trouble conductif de haut grade, ce qui doit faire rechercher eh bien, les causes de BAV et potentiellement faire discuter l'appareillage d'un stimulateur cardiaque en l'absence de cause aiguë réversible. Dernier cas de figure que je voulais évoquer avec vous, on dit souvent que la fibrillation atriale, eh bien, c'est des QRS fins sur le plan ventriculaire. Eh bien, pas toujours. Ici, par exemple, vous avez des QRS élargis, hein, qui ont un aspect plutôt de bloc de branche gauche, avec cette absence d'onde R en V2, V3, un aspect RSR' en V6, les oreilles de lapin également en D1, en AVL. Autant l'AFA est souvent associé à des QRS fins, comme je viens de vous l'expliquer il y a quelques slides, autant parfois il peut y avoir des QRS élargis. Je vais rentrer juste un tout petit peu dans les détails, en commençant par le bloc de branche organique, puisque finalement c'est le plus simple. Quand vous avez une conduction qui fonctionne parfaitement bien, on l'a vu tout à l'heure, hein, tout est vert, sur les branches faisceaux de His, il n'y a pas de problème, eh bien à ce moment-là, nous avons eh bien, des QRS qui sont fins. Ça, on l'a vu tout à l'heure également, il n'y a pas de problème. Eh bien, si vous avez un bloc de branche gauche organique, c'est-à-dire que la branche gauche, ici, je l'ai grisée, hein, si vous voyez les deux branches, la gauche, elles sont grisées, c'est-à-dire que le courant ne peut plus passer dans ces branches-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y aura une dépolarisation, ça va suivre la branche droite, puisque de toute façon, il n'y a pas le choix, il n'y a que celle-là. Et puis ensuite, eh bien, comment va se dépolariser tout le myocarde qui est à gauche? Eh bien, de proche en proche, le courant va se propager comme ça. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, eh bien, ça prend plus de temps, et c'est ce qui explique le bloc de branche gauche. Donc ça, c'est un bloc de branche gauche qu'on va dire organique. Eh bien, le patient qui était en rythme sinusal, donc avec cette belle oreillette devant le QRS, bah, s'il passe en FA, bah, en FA, l'oreillette fera n'importe quoi en FA, mais bah, on empruntera toujours la voie droite, et puis on aura toujours cette propagation qui se fera. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec on va dire la morphologie du QRS qui ne change pas en FA finalement, eh bien c'est vrai, c'est-à-dire que ce patient-là en rythme sinusal,
ici, rythme sinusal, il a un bloc de branche gauche, et bien en FA, bah, il y a exactement le même bloc de branche gauche. Donc la première possibilité pour une FA avec des QRS larges, c'est que eh bien, il y a un bloc préexistant. La deuxième possibilité, c'est celle d'un bloc de branche qu'on dit fonctionnel. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, la branche gauche, ici, hein, je l'ai mis en jaune, c'est-à-dire qu'elle est capable de conduire le courant à condition que ça n'aille pas trop vite. Donc là, je suis en rythme sinusal et lent, hein, à 50 par minute. Eh bien, dans ces conditions-là, la conduction, elle est OK dans mes trois branches. J'ai donc un QRS qui est fin parce que l'ensemble du myocarde est capable de se dépolariser de manière synchrone. Dès lors que j'ai une accélération de la fréquence cardiaque, alors je suis toujours sinusal, hein, là j'étais sinusal, mais je suis toujours sinusal, mais vous voyez que j'ai une accélération de la fréquence cardiaque, hein, et bien dès lors que j'ai une accélération, ma branche gauche ne peut plus suivre, elle n'est plus capable de laisser passer le courant, et bien le bloc de branche gauche apparaît dès lors que la fréquence cardiaque augmente. Et du coup, vous avez compris, étant donné qu'en fibrillation atriale, on a tendance à avoir une fréquence cardiaque qui est plus élevée qu'en rythme sinusal, et bien vous pouvez tout à fait avoir des patients qui ont en rythme sinusal avec une fréquence plutôt lente, et bien des QRS, oula, des QRS qui sont fins, et puis dès lors qu'il y a un passage en FA, accélération de la cadence ventriculaire et apparition de ce qu'on appelle un bloc de branche fonctionnel par perte de la capacité de cette branche gauche à suivre la cadence qui lui est imposée par la fibrillation atriale. Une dernière slide très rapidement pour le bilan paraclinique, ça va aller assez vite. Bon, alors évidemment, un examen qui donne le diagnostic positif, c'est l'électro, je n'en reviens pas là-dessus. Pour les facteurs déclenchants, encore une fois, toujours avoir en tête la TSH et la kaliémie. Le reste, ça va plutôt être sur point d'appel. C'est bien sûr le cas, hein, si vous avez un fouillé de crépitant qui fait évoquer une pneumopathie, assez rapidement, on va pouvoir faire le bilan infectieux, la radio, etc. Pour ce qui est des facteurs de risque de FA, alors la polysomnographie nocturne, c'est évidemment pas un examen à faire en urgence, à l'inverse de l'échocardiographie. S'il existe une situation particulière, comme effectivement, comme je vous l'ai mis là, un OAP, un syndrome coronarien aigu, c'est sûr que très rapidement, on va aller à l'échocardiographie. Si vous avez un patient avec un rack serré à l'auscultation, c'est sûr que là aussi, on va avoir tendance à faire l'échocardiographie relativement rapidement. En revanche, c'est sûr que chez un patient qui est asymptomatique, eh bien oui, il faudra faire l'échographie, mais vous êtes d'accord que ça ne revêt pas le même caractère d'urgence que ce genre de situation. Donc l'écho-cœur, oui, très certainement, et avec on va dire une planification qui va se faire en fonction de la gravité clinique. Enfin, pour le bilan pré-thérapeutique, on reverra en partie 3 que le traitement comprend notamment très souvent un traitement anticoagulant. Donc qui dit traitement anticoagulant dit bah, savoir comment sont les fonctions rénales et hépatiques pour éviter d'accumuler des médicaments anticoagulants, ce qui pourrait être dangereux, et donc limiter les risques de surdosage, mais aussi évidemment la NFS pour connaître le niveau d'hémoglobine de départ, puisque c'est pas pareil hein, de se dire qu'on démarre de l'anticoagulant chez quelqu'un qui a 14,5 d'hémoglobine, 14,5 grammes par décilitre, c'est pas pareil que si on démarre à 6,9, on est d'accord. Et puis enfin, déjà cité dans les facteurs déclenchants ici, mais mieux vaut y penser deux fois qu'une, la TSH. Puisque bah, potentiellement vous allez être amené à débuter un traitement par amiodarone, hein, qui est un antiarythmique. Alors pas chez tous les patients, encore une fois, mais si vous le faites, il faut absolument avoir une TSH de départ chez un patient chez qui vous mettez ce médicament qui est hautement pourvoyeur de dysthyroïdie. Et bien voilà, j'ai terminé pour cette partie 2. Il nous restera donc la prise en charge en partie 3, et puis il y aura probablement une partie 4 qui sera, elle, plus axé sur le flutter, qui est quand même quelque chose qui une entité qui est quand même très proche de la fibrillation atriale, avec quelques toutes petites subtilités que je vous présenterai. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.